Tout était permis, tout était ouvert et tout était permis. On ne s'interroge pas si ça va plaire ou pas plaire, si on y va, quoi, on y va. Non. À la fin, le Foupart, c'est la publication de à peu près 600 personnes, 300 peintres et dessinateurs et 300 écrivains. De Port, au Pérec, était là, il y avait d'autres gens, tout ça. Mais c'est vrai que c'était. On se disait, mais comment est-ce qu'on peut réunir tant de gens étonnants dans un si petit endroit, et un endroit qui ressemblait vraiment à une cave. Et. Revue d'art et d'humeur, c'est bien ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas un mot à changer. Il n'y a pas. Je pense qu'Artaud, par exemple, aurait très bien pu, quand il est sorti de Rodez, de l'hôpital psychiatrique de Rodez, participer à cette revue. Je vois très bien arriver avec son couteau, puis taper dans la table. Il y avait des fous comme ça. C'est comme la petite Marie Fontaine. Marie Fontaine, en quelque sorte, en breton, qui pleure car elle a peur de la chanson qu'elle chante. C'est beau, ça. Des peurs décoratives, des peurs nécessaires. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Entière liberté de mettre les pieds dans le plat, oui. L'atmosphère n'est plus la même. Et leur faire pénétrer aussi un petit peu ce qui s'est passé avant et ce que c'était dans les années 80. Voilà. L'argent. Volé mon âme. On m'a volé l'amour. Et toi? C'est ce qui m'amuse, moi, c'est de faire tous les détails, là. Les épingles, il a tous les fils, différentes couleurs, tout. En plus, il est sérieux, hein. Ça, il fait son boulot. Hein. Il lui ferme la gueule, mais avec délicatesse. Tout ce qui plus tard va nourrir ma culture, je me rendrai compte bien longtemps après que ça avait déjà eu lieu. Mais en fait, c'était dans le Foupart. Ce graffiti de pissotière, on vit peu. Mais on meurt longtemps et peut être une délicieuse faute d'orthographe. Bon, ça j'adorais parce que j'ai des problèmes d'orthographe. Pourquoi vous et moi, voilà, n'étions pas membres fondateurs du Foupart, pour mille raisons, voilà, mais en particulier générationnelles, et ben pourquoi tout d'un coup on continue à être dans le sillage, dans l'ombre portée de ce travail qui nous tient à cœur? Mais si le Foupart renaissait, je viendrais aussitôt. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus ce qui se passe. L'atmosphère n'est plus la même et je m'en... Ça va faire un méga machin. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux?